C'est au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire que s'est déroulée la grande finale régionale du championnat panafricain Orange eSport Experience. Durant 2 jours, les passionnés du gaming se sont affrontés dans diverses catégories de jeux. Le jeu vidéo, c'est plus qu'un simple moyen de distraction, c'est devenu une passion. Parce que depuis petit, voilà, j'ai commencé à jouer, je voyais mes grands frères en train de jouer, je ne comprenais pas pourquoi ils aimaient tant la chose, mais il m'a fallu prendre la manette en main pour que je comprenne ce que c'était comme sentiment. Nous sommes là pour montrer que nous avons du talent aussi en Afrique. Et peut-être qu'ailleurs, ils pourront constater que nous pouvons mieux faire. Ce rendez-vous, organisé par Orange Côte d'Ivoire, vise à promouvoir les jeunes talents dans les domaines de la technologie afin de leur trouver des emplois dans cet univers. Ce sont au total 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui ont été retenus pour la finale de cette compétition. Au terme de cette édition, le gamer ivoirien Lord Work est sorti vainqueur du Street Fighter V. Ryan de Madagascar a remporté le eFootball 2023 et Youssef de l'Égypte a été sacré champion de FIFA 2023.